Son nom l'évoque, le parc pour enfants Oura ravit les 12 mois 14 ans et les parents bien entendu bien contents de pouvoir papoter 5 minutes tranquille. Sur 800 mètres carrés couverts, on escalade, on court, on glisse, on rebondit, on se dépense. Alors c'est la première fois qu'ils viennent, mais les toboggans c'est super sympa, monter, descendre, voilà. Ils n'arrêtent pas, on a retiré vite les pulls, ils se sont retrouvés un t-shirt et oui je pense que c'est une activité sportive en même temps pour eux. Plutôt calme l'ambiance de jeu côté Disney, tandis que chez les Mexicains ça crapahute dur. Du côté des petits, on nage dans le bonheur et dans les balles. Les grands sont autonomes, peuvent jouer dans les structures gonflables et puis il y a une aire de jeu assez grande pour les bébés. Donc c'est vrai que c'est pratique, quoi. Surtout c'est couvert, en hiver c'est très pratique. 6 mètres de toboggan, 8 grandes structures gonflables, une quinzaine de jeux et une restauration. Oura a tout prévu pour le confort des familles. Située dans la zone commerciale Marie-Pontaine, Oura propose même une garderie pour les plus de 6 ans. Alors elle a une personne qui s'appelle Elodie, qu'on vient d'embaucher bien sûr, qui a tous ses agréments en petite enfance. Donc ce qui nous permet nous d'ouvrir ce créneau de garderie. Donc vous venez, vous laissez le petit une heure ou deux heures ou trois heures. Le plus de pensée de Marie, c'est qu'on a ces magasins d'usine. Donc nous qui allons et qui mettons en place un créneau avec le système de garderie. Donc je pense que c'est assez complémentaire par rapport aux magasins d'usine pour les parents qui veulent venir faire des achats. Aujourd'hui, parc indoor. Oura devrait dès cet été s'agrandir et proposer de monumentaux jeux gonflables en extérieur.